Bonjour, moi c'est Quentin Capaccioli. Je suis étudiant à EFRE Paris dans le cycle préparatoire, je suis en L1. Alors j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye, dans la région parisienne, et donc j'ai choisi Bordeaux parce que le cadre de vie est plus agréable. Aussi parce que je suis né dans le sud, donc je préfère quand même le sud. Du coup, c'est en train d'être créé Bordeaux, donc il y a beaucoup plus de potentiel. Même s'il y a moins d'infrastructures qu'à Paris, il y a un plus grand potentiel. On peut marquer plus l'année ou même la vie de l'école pour le futur. Je commence à plutôt apprécier l'informatique. Le mec fait de la lèche parce que son prof est juste là, en fait. Pas du tout, pas du tout. Il y a une majeure, ça serait dans la mécanique et l'électronique que je viserais bien. Ça m'intéresse. Voilà. Sur YouTube, je regarde pas tant que ça de chaînes d'informatique. Sur Instagram, il y a HitMonkey. Peut-être le métier de vérifier les brevets, vérifier s'ils sont en norme, s'ils sont possibles, ce genre de choses. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, bosser en tant qu'ingénieur, peut-être SpaceX, même si c'est techniquement impossible vu qu'ils recrutent que américains. Pour l'informatique, c'est vraiment quelque chose de passionné. C'est possible d'apprendre, mais faut vraiment être passionné, mais il y a vraiment de quoi être intéressé. Il y a énormément de choses. C'est en plein essor l'informatique, donc il y a énormément de domaines où c'est applicable. Faut aussi choisir, pas forcément que choisir une prépa ou une prépa intégrée en fonction de la qualité de l'école. Il ne faut pas qu'on se dise pendant 3 ans je ne vais faire que bosser. Il faut essayer de trouver une école où il y a un cadre associatif, un cadre de vie plus agréable, qu'on se sente bien pendant son année dans le supérieur.